Bonjour à tous, ici Sprulex, bienvenue dans ce 32e épisode de Let's Play sur Zelda Skyward Sword. Alors, il faut qu'on trouve la flamme sacrée maintenant qu'on peut nager. Alors, plouf. Alors, à nager. Ah, mince. Si, bien entendu. Allez, comment? Ah, d'accord, c'est avec la... le gyroscope. D'accord. Et le tourbillon, c'est là. Ok. Ça, on récupère de l'oxygène. On va trouver une flamme sacrée sous l'eau. C'est quand même... Ok. Espérons qu'il n'y a pas d'ennemis, quoi. Ok. Dans le grand arbre. Hop. Alors, voyons. Non. Allez, remonte. Non mais... je l'ai eu. Ah, j'ai tout donné, hein. Ok. Mince. Ok, donc je dois pousser comme une balançoire avec mon souffleur. Voilà. Bien. Voilà. Allez, on balance bien. Mais allez, non. Super l'élan, quoi. Bon. C'est pas ultra grave. On a éliminé les poissons volants. Hop. Alors. Voilà. Oh.
Mais t'es sérieux? Je sprint pourtant. Link vaincu par une plateforme mobile. Alors. Ouais, j'ai un problème. Enfin, la console a un problème avec le capteur lorsque c'est le. Enfin, c'est le jeu, quoi. Enfin, je pense. Parce que il tourne beaucoup plus vite que ce que je fais comme mouvement avec la main. Quand j'ai la jarre. Voilà. 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 Ah, il y a moyen d'arriver ici au. Alors. D'accord. Est-ce qu'elle attaque ou pas? J'en sais rien, mais... Oui, 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 elle attaque. Elle attaque, elle attaque. Alors, hop. Elle est morte. Très bien. Non mais t'es sérieux, j'ai pas touché le nid. Mais lâchez-moi, je vous ai pas touché. Maintenant je vais vous toucher, mais... Attends, est-ce que t'es toi? Aïe! Mais... Mais saleté d'abeille. Mais si l'énergie pour sauter, c'est... Voilà. Non ! J'ai lâché trop tôt. Allez, on y va, doucement. Bon. Maintenant.
pas grave. J'aime pas ce bruit. J'y vois rien. J'entends un sale bruit, mais je sais pas ce que c'est. Ok, on veut encore un. D'accord. Esquive. Ok, c'est bon. Un cœur. Ouais, un cœur. Compliqué, hein. Ah, un petit point de sauvegarde. Très bien, ça. Très bien. C'est comme un ventre qui grogne. Ouais, je pourrais. Ah, ah. Vu l'animation. Vous êtes à la cime de l'arbre. Observez les environs et découvrez peut-être des endroits inexplorés. D'accord, il ronfle. Maître, regardez. Vous avez découvert un nouveau tikui. La probabilité que le bruit qu'on entend depuis un moment soit le ronflement de ce tikui est de 90%. J'ai failli tomber. Réveille-toi. Kiwi. Kiwi me car. Kiwi me carambole dans mon sommeil. Oh, doux raisin. Quelle rareté. Un humain. Je suis l'ermite, tikui de ces bois, protecteur de la goyave et de l'aubépine. L'aubépin. Je ne sais quelle échalote t'amène. Mais il semblerait fort que tu me vois. Bah oui, je te vois pas. Oui, je te vois. Quel œillet tu as. Même les autres tikui ne sont pas tous capables de me voir. Bon, mais quel bourgeon t'amène. Où est la flamme. Oh oh. Pour retrouver ton ami, tu cherches la flamme qui affûtera ton épée comme un roseau. Un humain qui me voit et qui cherche la flamme. Quel étrange pois chiche. Bien,
Tu promets de ne jamais dire à Kiwi que ce soit que je vais te révéler maintenant. Je le promets. Très bien, petit pain. Je vais tout te dire. Et souviens-toi, c'est un secret. La flamme que tu cherches s'appelle la flamme de Faror. Son histoire remonte au temps jadis, quand la déesse était parmi nous. Elle fut confiée au grand esprit qui règne sur la forêt de Firon, le dragon d'eau. Il est dit que la déesse la laissa ici pour qu'elle puisse un jour être remise à celui qui viendra du ciel. Et ça pourrait bien être toi, petit pois. Le temps est venu pour toi de rencontrer le dragon d'eau. Le dragon d'eau qui protège la flamme vit dans le grand lac au sud de la forêt. Cependant, la porte qui permet d'accéder au lac est solidement fermée pour empêcher les intrus d'entrer. Mais je vais te révéler comment on ouvre cette porte, petit pain. Le dessin gravé sur la porte, il faut y insuffler le pouvoir de la déesse. Mais attention, il manque une partie du dessin, il faut le compléter. Pour savoir comment compléter le dessin, il te faudra trouver un symbole identique à celui sur la porte. À l'opposé du sud se trouve le nord, près de cette croix exactement. Alors, à l'opposé du sud se trouve le nord ici. Ouais. Belvédère. Larion. Bon, bah, là-bas, quoi. Allez. Tout va bien, petit pain. Tu as mémorisé où se trouvent les dessins? Ouais. Allez, fais bien attention à toi. Ne cherche pas trop les pépins. Minute, postillon. J'allais presque oublier de te préciser. Madame le dragon d'eau est très soupolée. Alors surveille ta langue de belle-mère. Si elle se fâche, elle peut t'avaler tout rond comme un citron et sans faire la grimace. Ne dis à personne que je t'ai parlé de la flamme de Faror, entendu? Ni de loin, ni de si près. J'ai pas envie de finir en salade. Et surveille bien ton langage et ton comportement. Moi, je retourne à la sieste. Ok, alors... le point de sauvegarde était là... bon, on va redescendre correctement parce que sinon on va faire n'importe quoi. Je voudrais essayer d'atteindre le... Ok, c'est là-bas le dessin, d'accord. J'ai vu quoi? Quelque chose là. C'est bon. Très bien. Ah d'accord, il y a une cible pour le grappin, mais je l'ai pas encore le grappin. Ah. Merde, j'aurais dû aller de l'autre côté d'abord, mais c'est pas grave. Allez, on va avancer. Tiens, il y a quelque chose à me dire. Oh, tu as trouvé l'écaille du dragon d'eau. On dit que celui qui la porte peut nager dans l'eau comme un dragon vole dans le ciel. Il y a sûrement des endroits de cette forêt où tu n'es jamais allé, n'est-ce pas? Mets donc l'écaille à profit pour faire un brin d'exploration. Oh, oh, oh.
Ok, donc, trouver le dessin qui va être par ici. Il est là. Et il manque le petit rond en plein milieu. En plein milieu des deux lunes. Et hop, au moins, il n'y aura plus de bruit. Alors maintenant, on peut retourner de l'autre côté. Mais tout ça pour avoir un cœur de plus. C'est là-bas. Là maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière la cascade? Non, rien du tout, juste de l'eau. Non mais. Là, c'est ici. Alors, attendez. Hop. Quoi? Et alors, comment je fais? Comment que je fais? Ah, ça fait du bien, un peu moins de bip bip. Voilà. Hop, j'étais peut-être pas assez haut, tout simplement. Je sais pas, je ne comprends pas. Non, qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est pas ça. Ah voilà. Ok, dessiner. Ce sera pas un beau rond. Ah. Voilà. Ça marche quand même. Maître Nick, la possibilité de la flamme sacrée, que la flamme sacrée se trouve dans le lac est de 80%. Alors avant, allez.
d'autres cœurs ou... Quoi là-bas? Un rubis rouge. Bon allez, on avance. Non, on verra ça en fait dans le prochain épisode parce que je sens que il y aura un petit combat de boss. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode et on continuera dans le suivant. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Bye.